Et mon père avait entendu parler de, dans le quartier que, comme quoi, j'aimais pas la police. Ouais, tu n'aimes pas la police. Et mon père, il adore la police. Tu n'aimes pas la police, tu es ingrat, tu es pas reconnaissant. Il rentre dans la chambre, il frappe à la porte. Viens ici. C'est quoi ton problème avec la police, hein? Tu es pas reconnaissant. J'étais mis alcool à l'école. Ils t'ont viré. J'étais mis au travail. On t'a viré. J'étais mis aux acédiques. On t'a viré. Tu racontes à tout le monde que tu fais les 3-8. Tu dors matin, midi et puis le soir. Ça, c'est les 3-8. Toute la journée, tu fumes la fumée de Bob Marley. Tu écoutes la musique bizarre. Assassiner la police. Brou, brou, assassiner la police. Brou, brou. Si tu continues, c'est moi, je vais t'assassiner avant même la police. Mon fils ingrat, tu n'aimes pas la police. Tu es pas reconnaissant. Hein? Tu es pas reconnaissant. Ton premier bracelet, tu avais 12 ans. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Ton premier photo numérique, c'était même pas la mode. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Je n'aime pas la police, tu es pas reconnaissant. Quand moi je travaillais, ta maman travaillait, qui te gardait quelquefois 24 heures? 48 heures? 72 heures? C'est bien la police. Quand j'avais pas de montre, qui nous réveillait quelquefois à 6 heures du matin? C'est bien la police. Quand j'avais pas de voiture, qui t'accompagnait quelquefois à Fleury-Méningis? Hein? Et tu dis, tu n'aimes pas la police. J'ai toujours demandé à mes enfants de voler de leurs propres ailes. Et toi, mon couillon de fils, tu as volé de tes propres mains.